بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، mes fils et mes filles, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction et d'amour et de fraternité et d'excellent comportement de l'islam. Quelle belle invocation aussi. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne remise en cause, bonne remise en question, bonne souplesse intellectuelle, bonne tolérance, bonne volonté de changer et d'évoluer, bonne volonté d'apprendre, bon sens des responsabilités, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Je parle de mes frères et sœurs en humanité qui ne sont pas encore musulmans, qui n'ont pas encore eu l'honneur d'être musulmans. Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on part toujours du postulat de base qui stipule que Muhammad a inventé le Coran. Muhammad a inventé le Coran. Il est né il y a plus de 1400 ans et il a inventé le Coran. C'est un imposteur sanguinaire, mauvais, injuste, vil personnage, comme disait l'autre, les L.A.I.D., barbares, assassins, lapidateurs, déstabilisateurs. Très bien. On pousse le raisonnement à l'extrême. L'idée, c'est de m'expliquer comment ce personnage-là a fait pour être ce qu'il est. Pour devenir ce qu'il est. Et je lis un petit message, l'un des premiers qui arrive depuis que j'ai lancé la série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il met ES Dieu. Jésus ES Dieu. Je comprends, Jésus est Dieu. Jésus reviendra à la fin des temps. Pas Muhammad. À sa place, j'aurais mis Dieu, puisque Jésus est Dieu, il fallait me dire Dieu. Donc Jésus reviendra à la fin des temps, pas Mohammed. Si Mohammed était le plus grand, comme vous l'affirmez ici, ça serait lui qui reviendrait. En réalité, je vous le dis, Mohammed est tout petit, face à Jésus. Et Jésus jugera Mohammed. Bien cordialement à vous, bonne continuation. Wallahi, mon intelligence a souffert. Mon intelligence a souffert. Tu es une insulte pour ton intelligence et pour la mienne. Et pour l'intelligence de l'humanité. Tu viens de me donner un bâton pour te battre. Un bâton pour te battre. Je l'ai déjà rappelé, mais tu n'as pas vu les rappels. Je le dis depuis très longtemps. Mais là, tu me donnes un bon bâton pour te battre. Mais je suis ton frère en humanité, musulman, qui aime Jésus à l'infini. Et qui te dit que tu as commis une grossière aberration, parce que Jésus ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Isa. Et vous lui avez massacré son nom. Mais c'est même pas ça le problème. Je vais donner un bâton, mais je vais te donner des fleurs d'amour et d'affection, et surtout de soucis que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad était un humain normal, et s'il était caractérisé par l'escroquerie intellectuelle, et si il était aussi barbare, aussi injuste, aussi mauvais, aussi laid, aussi méchant, aussi nombriliste, comme les humains, ça c'est les humains. Les humains sont comme ça. Plus un humain est corrompu, plus il ressemble aux bassesses, des pires bassesses des humains. Et l'histoire peut te donner de belles indications sur l'humain, quel qu'il soit. Riche, pauvre, président, roi, intellectuel, pas intellectuel, tu as tellement de tonnes, subhanallah,
d'histoire infinie de l'humain quand il est corrompu. Donc vous nous présentez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un de corrompu. Normalement, un humain doit être jaloux d'un humain. Celui qui déteste le plus le maçon est un maçon comme lui. Celui qui passe son temps à dénigrer les maçons, c'est le maçon. Le coiffeur dénigre les coiffeurs. Le coiffeur se compare au coiffeur. Le savant va dénigrer les savants quand il est mauvais, quand il fait appel à son humanité dans ses bassesses, dans ses pires bassesses. Le prédicateur va détester le prédicateur, va avoir la haine contre le prédicateur. D'accord? Quand il fait appel à sa bassesse, quand il s'oublie, quand il oublie sa crainte d'Allah, l'ingénieur va attaquer l'ingénieur, va passer son temps à montrer sa répugnance, sa haine vers cet ingénieur qui est incompétent. Le directeur va attaquer le directeur. D'accord? Maintenant, deux qui se prennent pour des prophètes. Ou un qui se prend pour un prophète, l'autre qui est prophète, l'autre qui est Dieu. Vous le prenez pour Dieu. Lui n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc, lui, en tant qu'humain, il va ressembler, Muhammad, il va ressembler à tous les humains. Ça a toujours été comme ça tout au long de l'histoire humaine. Il ne va pas dire que Jésus va descendre à la fin des temps, va arriver à la fin des temps. Jamais. Donc, ton argumentaire, mon ami, se retourne contre toi. Si Muhammad était le plus grand, comme vous l'affirmez ici, ce serait lui qui reviendrait. Donc, soit on dit qu'il est prophète, soit il n'est pas prophète. C'est ça l'histoire. Soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est prophète. Donc, il n'y a pas grand, plus grand. Isa, Jésus, est le prophète d'Allah. Nous l'aimons, Habibi. Si je dis un mot supérieur à un autre contre Jésus, je deviens mécréant. Clair, net et précis. Isa est l'un des plus grands prophètes d'Allah. D'accord? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah, le dernier. D'accord? Et Isa, Jésus, c'est qu'il ne peut pas être comparé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît sa valeur à lui, il connaît ses limites à lui, il connaît, il reconnaît ce que c'est la valeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, tu le comprendras quand tu vas grandir un peu. Mais on n'est même pas dans le jeu de dire, lui, il est meilleur ou pas meilleur, on est juste en train de te dire. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un humain, n'est qu'un humain qui a inventé le Coran, un escroc, un barbare, un sanguinaire, un lapidateur, un méchant, un mauvais, un injuste, ou est-ce qu'il est prophète? S'il est prophète, Allah a envoyé Jésus, Allah a envoyé Muhammad, Allah a envoyé Moussa, Allah a envoyé Jacob, Allah a envoyé Yahya, Allah a envoyé Joseph, Allah a envoyé Suleyman, Allah a envoyé Daoud. Et Allah a envoyé tous les prophètes d'Allah. Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham. Et ça, tu comprends. Donc, si, et ça, c'est un miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au commun des humains, par rapport à l'humanité des humains, par rapport à leur nombrilisme à l'infini, à leur narcissisme à l'infini. Nous sommes des humains, on se connaît. On connaît les humains. Et, comme je t'ai dit, on a tellement d'histoires contemporaine, histoire et ancienne sur les humains, que rapidement on voit vers quoi ils penchent en général. Ils penchent vers le mal absolu. Ils penchent vers s'adorer, l'auto-vénération, l'auto-adoration. Il faut que tu m'expliques comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a encore une fois dérogé à cette règle. Comment encore une fois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait exception à cette règle. Sors-moi n'importe quel humain, quel qu'il soit. Et je te montrerai rapidement qui n'a pas pu quitter sa condition d'humain. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un humain, attention. Mais lui, c'est un humain spécial. Il est vraiment spécial. Il est hors de l'échelle humaine. Pourquoi? Parce que il est le prophète d'Allah. Parce qu'il est le dernier des prophètes d'Allah. Et il devait avoir des qualités, des caractéristiques qui font de lui le prophète d'Allah par excellence jusqu'à la fin des temps. N'importe quelle personne sincère, dans n'importe quelle génération, et ça a été confirmé par l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle personne sincère, quelle qu'elle soit, quand elle voit un peu ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comparé à tous les humains de la terre, Muhammad est différent. Il est unique. Il n'y a pas deux comme lui. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.